Autorité et respect. Je tiens à vous saluer, comme le disent les autres, en vos rangs et qualité. Je salue Franck Arthur, je salue Alexis Do, je salue tous ceux qui sont connectés. Nous avons beaucoup de restrictions. Mais n'empêche que les quelques voix que nous sommes et les quelques oreilles que vous êtes, qui avaient accès à nos larmes, à nos cris, à nos pleurs, sachez que vous nous donnez la force. Noirs, nous sommes. Esclavagisés, nous avons été. Colonisés, nous avons été. Pseudo-indépendants, nous avons été. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne du réveil africain, du nationalisme africain appelé le panafricanisme. La plus belle, Manu Manu. Manu Manu a fait. Bon, on met. Il y a un peu de temps. Et c'est un peu de temps. Bref. Camarades, c'est avec beaucoup de joie que je me présente devant vous. Même si
Mon visage n'exprime pas cette joie. Mais sachez simplement que il y a l'homme, la chair, le corps, l'expression. Il y a l'homme, l'esprit, l'homme, le mystère, l'homme, le sentiment et l'homme, la société. L'homme, le corps que je suis, n'est pas heureux naturellement parce que mon pays vit le martyr. Mon pays subit le groupe d'individus malveillants, malséants, malpropres, malencontreux. Mon pays vit la dictature de frères et sœurs à qui nous avons offert gîte et couvert. Mon pays vit la méchanceté, la diablerie, le satanisme. Mon pays vit la dictature, pour ne pas dire le terrorisme. Comment vous voulez que mon corps soit reluisant lorsque mes frères, mes sœurs, lorsque ma patrie souffre de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'entourage, de l'entourage à l'air qui respire, à la nourriture qu'ils mangent, à l'eau qu'ils boivent, à l'électricité, au vent, au feu. Comment voulez-vous que mon corps soit à l'aise avec ça? Frère, je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, Adia Protoli, Tiventif, Ezekou, Télé. Je suis Adjoukou. Je suis de la génération Abrama, Kata. Notre nom de code, c'est Angba Saka. Je suis un leader de guerre. Je nous appelle ça un Ibn Fou. Et je suis d'une grande famille qu'on appelle le Bossou Mlomo. Djeler. Camarade, je suis Ivoirien 100%. Et je m'exprime au nom de toute cette entité holistique de mes ancêtres à leur Dieu vers vous. Je décline mon identité à travers ma voix pour susciter en vous l'intérêt de chercher qui vous êtes, l'importance de votre nom, le rôle que vous devez jouer, où vous devez aller, pourquoi il faut y aller et quel objectif il faut atteindre. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, Adia Protoli, Tintifintif, Ezekou Télé. Camarades, je ne viens pas parler de moi, mais je vais vous parler de notre héritage commun. La Côte d'Ivoire. Je ne vais pas parler de verbes. Je ne vais pas faire des éloges. Je ne vais pas faire un dictionnaire de mots. Je ne vais pas de l'éloquence grammaticale. Parce que j'ai des amis qui s'appellent Bokito Bokito, ou j'ai des amis qui s'appellent Franklin Memel, ou j'en passe. Malo! Oye, Abraham Kata, Eye Uyo, Eye Uyo, Metche, oui, un peu. Quelqu'un me l'a dit, Amoblin, Amoblin. Ah, bye. Bref, camarade. J'ai une personne de ma promotion qui est connectée. Et chez nous, il a choisi de s'appeler Kodok Propro. Kodok Propro, c'est la boue mouillée. Or, c'est que la boue est déjà mouillée. Je vous fais cette parenthèse pour vous dire combien de fois, nous, Africains, il faut qu'on comprenne et qu'on sache d'où on vient. Quelle est l'importance de notre nom? Quelle est l'énergie que nous dégageons? Quel rôle nous pouvons jouer? Et c'est pour ça que d'entrée de cette petite séquence de vidéo, je vous ai fait écouter une chanson. Celui qui me prend en cours, je demande à cette personne, à la fin de cette vidéo, de retourner écouter la chanson ou la chanson à la fin pour comprendre ce que je veux dire.
La Côte d'Ivoire est comme un fleuve et nous sommes les poissons à l'intérieur. La Côte d'Ivoire est comme l'océan et tu es le poisson à l'intérieur. La Côte d'Ivoire est comme la lagune, comme la Méditerranée. Et toi, l'Ivoirien, tu es comme un poisson à l'intérieur. Donc, dans toute la nomenclature, dans le schéma de la Côte d'Ivoire, tu as un rôle à jouer. C'est pour ça que je dis que nous, qui aujourd'hui avons choisi, au-delà des armes létales, aujourd'hui à nous arracher, ou nous-mêmes, personnellement, avons laissé pour mettre nos familles à l'abri, pour reculer et mieux sauter, et qui avons choisi, grâce à l'avènement d'un groupe de jeunes ivoiriens, que je salue, la Jossi Gang, de Johnny Pacheco à Dexter Hamilton, de Dexter Hamilton à Dolvac Premier de Makoté, du Dolvac Premier de Makoté, de la Scandinavie à BJM Boni, de BJM Boni à Vivi L'Amour, de Vivi L'Amour à tout ce que vous pouvez entendre comme Guy anticonformiste, de Guy anticonformiste à ce que vous connaissez, ce que vous... à celui qui est aujourd'hui dans une situation exécrable au Maroc, qu'on appelle maître et maître. De toute cette famille-là, Baba Nicolo est reconnaissant parce qu'ils nous ont donné la force et ils nous ont montré la voie de comment on utilise les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, après avoir fini de nous désarmer, parce que oui, pour la Côte d'Ivoire, nous avons été jusqu'à nous armer pour ne pas accepter l'injustice criarde. Aujourd'hui, nous sommes réduits juste à la parole. C'était notre trait de grande gueule. C'était notre trait de lâche, de peureux, de fuyard. Mais on accepte parce que notre dos est large. Notre dos est large parce que le pays mérite qu'aujourd'hui, là, nous puissions nous exprimer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je veux parler à nos mamans. Oui, nous avons subi ce que dans le temps, des pays ont subi. Ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui n'est pas exclusif à la Côte d'Ivoire. La chose que nous subissons n'est pas une exclusivité sur tout le temps ivoirien. Beaucoup de pays sont passés par là. Beaucoup. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comme orpheline, délaissée, à la merci d'individus venus d'ailleurs, déracinés de nos cultures, parce que nous avons juste ouvert notre porte. Ils avaient froid, qu'on leur a donné une couverture. Ils avaient faim, qu'on leur a donné de la nourriture. Ils avaient chaud, qu'on leur a donné de l'eau fraîche. Ils étaient affamés, poussiéreux, parce que venant du désert, du Sahel, les Ivoiriens ont été là, parce que la terre de l'éléphant est une terre cosmopolite. Qui a tout. En Côte d'Ivoire, il y a l'harmattan, il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche, il y a la saison. Il y a tout. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de neige, c'est vrai. Mais nous avons un climat tropical. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes partout. Les Ivoiriens sont des boys. C'est des gens qui étaient boys chez eux. Les Ivoiriens sont des bonnes. Les Ivoiriennes sont des bonnes. C'est des gens qui étaient bonnes chez eux. Les Ivoiriennes sont des prostituées. C'est des gens qui étaient prostituées chez eux. Les Ivoiriens sont des gigolos. C'est des gens qui étaient gigolos chez eux. Les Ivoiriens sont des gens aujourd'hui. Comme, c'est-à-dire, je suis bossoniste, mais je lis beaucoup. J'aime la culture multi-plurielle. Quand je me réfère à la Bible, quand je me réfère au Coran, quand je me réfère aux livres bouddhistes et autres, je vois qu'il y a des similitudes. Comme cette histoire qui parle de
du peuple d'Israël qui devait quitter Pharaon pour se déplacer. Combien de temps ils ont souffert? Combien de palabres ils ont fait? Combien de divisions ils ont connues avant d'atteindre Canaan? Comme les frères de Mahomet qui, pour des raisons que même peuvent expliquer, ont voulu jeter leurs frères aux orties, qui malheureusement aujourd'hui est le socle de l'islam. Comme les frères de David qui, parce qu'il était maigrichon, voulait se débarrasser de lui, mais qui a fini par rehausser l'image de la famille. Il y a beaucoup d'histoires pour vous expliquer. Moi, je crois à la spiritualité vraie africaine. À la spiritualité où le hasard n'existe pas. Le terroriste à Satan Ouattara est un bien pour un mal. Pour ne pas dire un mal pour un bien. À Satan Ouattara, lorsqu'aujourd'hui les gens parlent de Jésus-Christ, mais ils oublient de parler de Judas. Mais sans Judas, Jésus-Christ n'aurait jamais eu ce qu'il a eu aujourd'hui. Je ne veux pas blasphémer parce que je ne maîtrise pas la Bible. J'ai seulement lu et je l'interprète. Sans Judas, Jésus-Christ n'aurait pas eu le nom qu'il a aujourd'hui. La preuve, Jésus, selon la Bible, un mois a dit à Judas, va faire ce que tu as à faire. C'est Jésus-Christ a incité Judas, tellement la causerie avec ses disciples était chic. Jésus s'est levé et a dit à Judas, hé, toi là, mais va faire ce que tu as à faire. Dans la vie, il faut un mal pour un bien. Et Ouattara fait partie du mal pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire va lui de nouveau. La Côte d'Ivoire que vous voyez là. Mais les États-Unis, frère, mais c'est des Noirs qu'ils ont pris chez nous pour les envoyer là-bas. Et puis les gens les ont mis dans les petits coins. Mais un Noir a fini par être président aux États-Unis. Mais avant que le Noir soit président aux États-Unis, combien de souffrances les Noirs ont subi, ont dû traverser, les Malcolm X, les Black Panthers, les Martin Luther King. Combien de souffrances ils ont subi. Mais regarde les États-Unis aujourd'hui. C'est du has-been. Même si, dans la société, il y a des bribes de choses qui existent. Je vous parle de faits historiques. C'est pour moi que les ai écrits. On les a tous lus. Regardez, en Afrique du Sud, Mandela. Aujourd'hui, tout le monde respecte Mandela. Mandela est devenu une icône. Mais Mandela, c'est quelqu'un qui a souffert. Les Sud-Africains noirs, c'est des gens qui ont souffert. Mais avant Mandela, Chaka Zulu lui-même, pour que le peuple Zulu existe, le KwaZulu, c'était pas rien. Regardez en Inde, aujourd'hui ils sont partout, ils sont devenus Pakistan et partout. Mais Mahatma Gandhi a dû souffrir pour eux. Regardez au Rwanda, aujourd'hui Paul Kagame est en train de... Il a fermé tout ce qui est à nuit, église, tout. Paul Kagame aujourd'hui s'impose parce qu'ils ont connu un passé par Dieu. Regardez au Libéria aujourd'hui. Mais le Libéria hier, sous Samuel Doué, mais il y a eu beaucoup de choses. Regardez la Sierra Leone. Mais autorité, Nana Boa Kwasi 10, mes respects. Je te salue au nom de nos ancêtres. Camarades, il n'y a pas un pays. Regardez mais le Japon. Le Japon que vous voyez là, Japon. Qui n'a pas étudié Nagasaki et Hiroshima? Lorsque les Japonais ont fait le kamikaze à Pearl Harbor, c'est en anglais, on écrit Pearl Harbor, et qu'ils ont fait saigner les États-Unis, mais la République des Américains mais a rendu le Japon zinzi. Mais regarde le Japon aujourd'hui, ils sont avec les Américains. Quand vous prenez la Chine, regardez même au Vietnam, les Américains, la grande Amérique a perdu la guerre au Vietnam. Donc, le monde entier a fonctionné comme ça. Regardez, en France aujourd'hui, mais au temps de Nicolas Sarkozy, il était en binôme avec Angela Merkel pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de la France et de l'Allemagne, De Gaulle a dû quitter la France, aller en Allemagne. Et pardon, il allait où même? Et De Gaulle a dû quitter la France pour aller, je ne sais pas, en Angleterre ou où, pour réveiller les Français. Mais tous les pays ont une histoire. Mais les riverains de ces pays-là, la fratrie. Avant, si tu es Français, que tu aidais un Allemand, tu es au courant.
Tous les Français qui ont dit les Allemands, leur nom ne figure même pas dans le panthéon de la France. Mais aujourd'hui, c'est l'Allemagne, la France, c'est eux qui tiennent l'Union européenne. Merci, maman. Angleterre. Hitler, De Gaulle a fui pour l'Angleterre, c'est de l'Angleterre, que quand il se battait contre Pétain, si je ne me trompe pas, il a galvanisé le Français. Frère, la France, vous voyez, c'est un pays de coup d'État. Hitler, pardon, oh, qu'est-ce que j'ai dit, Hitler, mais De Gaulle, mais c'est un poutiste. De Gaulle a fait coup d'État pour que la France soit comme elle est. Aujourd'hui, on attaque les Assimi Goïta, les Traoré, les Tchani, parce qu'on dit qu'ils ont fait coup d'État. Mais la France même qui les attaque là, est un pays de coup d'État. Bref, pourquoi je vous explique ça? Je veux parler à mes mamans. Mais avant de parler à mes mamans, il faut qu'elles comprennent que dans tous les pays au monde, en tout cas les grandes nations, ils ont eu à traverser des moments très, très difficiles. Regardez même en Côte d'Ivoire. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo aujourd'hui que les gens adulent là, que nous respectons à cause de son combat noble pour la Côte d'Ivoire, son don de soi. Mais le président Gbagbo, à un moment donné, le président Oufoué, mais c'était mou. Mais quand le président Gbagbo est revenu d'exil, d'abord il est parti en exil, à cause du Oufoué, mais quand il est revenu d'exil, le président Oufoué l'a reçu. Et Oufoué lui a dit, hélas, tu me ressembles. Après Oufoué, le président Gbagbo est plus bédié. Regardez. Mais Bédier s'est sur les plateaux pour dire non, Gbagbo, il a fait ses deux récentes. Mais Bédier a reçu Gbagbo. Avec Gbagbo, ils ont passé un message codé. Selon Guillaume et Blaise Goudé, camarade à l'université. Mais aujourd'hui, là, quand tu entends Blaise Goudé parler en proverbe, tu dis, mais est-ce que le papa de Selon Guillaume? Quand tu vois Selon Guillaume et ses militants réagir, tu dis, mais c'est le papa de Blaise Goudé. C'est des gens qui étaient ensemble. Afi Nguessa, le président Gbagbo. Mais c'est des gars qui étaient ensemble. Aujourd'hui, là, Dieu merci, a fait en train de se ressaisir. Et je salue ça. Je salue. Il y a des gens qui disent, non, Baba Nicolas, il faut faire attention à Afi. Vous voyez, je vais juste ouvrir une parenthèse. À un moment donné de la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. Moi, je veux, de toutes mes forces, de toute l'énergie spirituelle, métaphysique, physique que j'ai, que les Ivoiriens prennent exemple. De ce que de ce dont je vous parle, le monde qui a évolué avec des inimitiés pour devenir à l'amitié et qui s'est construit. Oui, Afi était avec Gbagbo hier. Oui, Afi, à un moment donné, a eu des comportements sinusoïdales. Oui, même Gbagbo lui-même a eu des comportements sinusoïdales vis-à-vis d'Afi. Mais si aujourd'hui Gbagbo lui-même, il a compris le vœu de la généralité des Ivoiriens. Et qui dit j'ouvre mes bras. Mais quand il ouvre ses bras là, il dit tout le monde a quand même parlé sérieusement. Mais si Afi vient, pourquoi nous on va faire obstacle à Afi? Je salue la décision d'Afi de lever le pied sur le RDR. Je salue ça. Moi, j'ai toujours combattu ce qui va contre l'unité. Ceux qui me connaissent me connaissent. J'ai toujours combattu ce qui va évoluer Talman Ouattara. C'est Afi hier. Par orgueil, par égoïsme, par ego, c'est tout au RDR. Que maintenant le président Gbagbo dit, j'ouvre mes bras. Que Afi dit, il vient. Pourquoi moi, je vais mettre un obstacle à l'écriture? Non, moi j'ai été, je suis pas Afi Nguessa. Et mes amis, All Black Odo est témoin, il peut vous le dire. Mais je n'ai pas manqué de dire à Afi qu'il a décodé. Moi j'ai été reçu par Charles Blaise Goudé. Mais je n'ai pas manqué de dire ce que je pense en vidéo. À Charles Blaise Goudé. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense. Et ça ne va pas s'arrêter là. Quand je fais une bêtise, je reconnais, je m'excuse, je me range. Mais j'apprends de mes erreurs. Et de la même manière que j'apprends de mes erreurs, je veux être authentique. Hier, les Amontano, les Mabri Touakeuse, ils étaient tous dans le même groupe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. On dit qu'ils ont trahi. D'accord, ils ont trahi. Mais si aujourd'hui, Afi a vu tout ça, et puis il dit, il revient. Pourquoi moi je vais mettre un obstacle? Selon Guillaume, même on parle aujourd'hui. Combien de personnes n'ont pas traité de Soroïs? Mais je leur dis, c'est moi qui choisis mon nom. C'est moi qui choisis mon nom. Le nom que je porte, c'est moi qui choisis. Mais comme aujourd'hui on s'est mis en public et qu'on parle des gens, c'est normal qu'on parle de nous. Mais moi, je suis ivoirien 100%. Gros gré. J'aime le président Laurent Gbagbo, je l'affirme. Et j'ai aucun regret à le dire parce que c'est un homme de qualité. Mais le combat de la Côte d'Ivoire, je ne le fais pas pour Gbagbo ou pour qui que ce soit. Je le fais d'abord pour moi-même. Pour l'héritage que j'ai reçu,
pour mes enfants et pour demain. Je ne dois rien à qui que ce soit. Ma caméra, c'est mon téléphone, j'ai acheté. Mes unités, c'est moi qui les paye. J'ai été motivé par la Jossi Gang et je respecte le combat du plan Babou. J'accompagne la lutte de la Côte d'Ivoire parce que hier, au pays, moi, que vous voyez, j'ai fait ça de façon matérielle et physique. Je ne suis pas un fuyard. Aujourd'hui, les ancêtres ont voulu que je sois ici, je suis ici. Mais aujourd'hui, si Afingissant dit qu'il était avec le RDR et qu'il revient au FPI, pour ne pas dire au PPACI, Baba Nicolo, comme tu peux m'en j'ouvre mes bras. Et j'accompagne cette attitude-là. Au-delà d'Afingissant, il y a des camarades du PDCI-RDA qui ont quitté le PDCI parce qu'ils avaient faim ou parce qu'ils n'avaient pas la tête de bêtier. Mais quand Tiam est venu par la tête du PDCI, ils ont décidé de venir au PDCI-RDA. Je salue ça. Tant que ça concourt au départ de Ouattara, Baba Nicolo, je suis les bras ouverts. Moi, si tu veux me piéger, mets l'unité, tu vas me piéger. Si je suis un poisson que tu veux m'attraper, au bout de ton ambition là, mets unité, tu jettes dans l'eau, tu vas me piéger. Parce que pour moi, tout ce que nous faisons concourt à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et si la souveraineté de la Côte d'Ivoire est exposée à des armes dont nous n'avons pas les moyens, il faut bien, naturellement, l'unité. Et l'unité est la force ardue, sine qua non. Exclusive sortie de cette tourière. Donc, j'accompagne tout ce qui est unité. Non, Afi a trahi. Pourquoi vous faites confiance? Mais Gbagbo même dont vous parlez là. Vous avez déjà vu un leader en Afrique que l'Occident a épargné. Mais l'Occident a attrapé Gbagbo. Ils nous ont bombardé, nous tous. Ils l'ont envoyé, ils l'ont gardé. Et puis Gbagbo est arrivé. Vous pensez que Gbagbo, c'est un homme qui est simple? Non. Le président Bédier. Si aujourd'hui sa mission est terminée, c'est parce que la nature, la force de la nature a voulu que la mission du président Bédié s'arrête là. Le président Bédié est un grand homme, le président Bédié est un grand homme. Il a rendu service au peuple de Côte d'Ivoire. Il a évité le chaos, quand bien même il pouvait provoquer le chaos. Et aujourd'hui, les ancêtres ont décidé qu'il s'arrête là. Même si cette mort est provoquée, c'est parce que Dieu a voulu que Bédié s'arrête là. Sinon, Bédié ne serait pas parti. Donc, quand il vient de dire tout ça, il faut dire qu'aujourd'hui, tout Ivoirien, d'où qu'il vienne, tant que nous n'arrivons pas encore à la veille des élections de 2025, essaie de se désister. Il faut lui apporter du crédit. Il faut lui apporter du crédit. C'est comme ça que j'ai apporté du crédit à Soro Guillaume. Et j'ai été traité de tous les noms. Mais j'ai assumé, bah, je suis trop fort pour eux. C'est comme ça que j'ai accordé du crédit au président Henri Konan Bédié. J'ai été traité de tous les noms. Mais j'ai accepté parce que je suis plus fort que tous. Aujourd'hui, j'ai eu raison. 5 années en arrière. Mais les mêmes gars qui me critiquaient hier là, ils n'ont pas le courage de faire une vidéo pour Baba Nicolo. Mais à culpa, ils ne peuvent pas. Je suis trop fort pour eux. Parce que moi, un homme, il est mystère, il est spirituel, il est métaphysique, il est physique, il est société, il est émotion, il est pensée. Camarades, je vous dis ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous attirer vers une manière de nous battre. Et nous appelons ça l'opération 6-9. C'est quoi l'opération 6-9? Le président 6-9 veut dire simplement que hier, l'OTAN, la communauté internationale et Ouattara ont renversé la Côte d'Ivoire en 6. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils nous ont divisés. Ils ont abattu des Ivoiriens. Ils ont abattu des Ivoiriens. Ils ont fait des gifles. Ils ont tout fait. Ils ont déporté un fils de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que nous retournions la situation du 6 au 9. Et le 9, pour y arriver, il faut connaître une tactique patriotique. Et je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Cette tactique patriotique n'est pas d'aller prendre des armes pour nous battre. Mais de toute façon, le président Gbagbo avait toute l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais la coalition l'a défait. Le président Gbagbo avait tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont défait. Donc ce n'est pas un combat d'argent. Ce n'est pas un combat d'armes. Ce n'est pas un combat de moins, mais c'est un combat d'intelligence. Oui, nous aurons besoin d'argent. Au moins, je veux parler d'argent, je veux parler d'argent, mais pas aujourd'hui. Nous aurons besoin de moyens pour pouvoir acheter des informations, pour pouvoir faire des mouvements, pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir réagir au mot. Oui, nous aurons besoin d'argent. Mais ce dont nous aurons besoin, c'est de notre intelligence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, camarades, je fais court. J'ai dit à nos mamans que nous avons besoin d'elles. Oui. Parce que depuis que nous avons parlé de l'opération 6-9, c'est que des hommes qui nous appellent, qui nous encouragent, qui nous envoient des messages, qui contribuent. Financièrement, j'ai encore rien pris. J'ai dit que je suis le seul visage derrière cette pyramide avec laquelle je me bats. Mais les mamans,
Je fais cette vidéo pour vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de femmes organisées. Nous avons besoin de femmes belles, pugnaces, des femmes patriotes pour nous épauler. Nous avons besoin de femmes. Parce que ces gens du RDL, l'opération 6-9 se résume à voir où ils vont. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils font? Où ils s'amusent? Comme ils ont fait pour nous. À quelle heure ils rentrent? À quelle heure ils sortent? À quel jeu ils jouent? Quel avion ils empruntent? Quel bus ils prennent? Quel est le numéro matriculé de leur voiture? Quelles sont leurs copines? Tout ça. Mais la meilleure force au monde qui puisse donner ces informations, au-delà des hommes, c'est les femmes. Parce que les Amazones, quand on parle des Amazones, c'est les femmes. Donc, maman, nous avons besoin de vous. J'ai besoin de la femme de Arma Sirifix. J'ai besoin de la femme de Bokito Bokito. J'ai besoin de la femme de Général Do. J'ai besoin de la femme de tous les éléments de l'opération 6-9. J'ai besoin de la femme de tous les patriotes. Il faut que vous aussi, pendant que les hommes s'organisent, vous puissiez vous organiser. Parce que les RDL, que ce soit le terroriste Ouattara et sa femme Eve, mais ils utilisent des servantes chez eux, non? Oui, il y a des servantes là-bas. Que ce soit les Anne Loto, les Kanda Kamara, les Arrêt d'Agri Diabaté, les Madame Traoré, toutes les mécènes du RDR, elles utilisent des femmes chez elles. Les gars du RDR, les Adjoumani, les Achille Patrick, les Cissé Bakongo, les Big Togo, que ce soit les, certainement Marou Touré, toute cette horde de personnes, ils utilisent des femmes, ils utilisent des hommes. Donc, nous avons besoin de femmes. Oui, les femmes appellent, elles veulent contribuer, c'est vrai. Ça, je ne vais pas mentir. Les mamans appellent, Baba Nicolo, on va t'envoyer l'argent. Baba Nicolo, on est avec toi. Non, mais ça ne suffit pas. On veut dans cette organisation, cette structuration de patriotes, des femmes. Des femmes belles. Des femmes capricieuses. Des femmes patriotes. Des femmes combattantes. Des femmes qui savent manier les armes. Des femmes qui savent se battre. Parce que Ouattara va faire la guerre à la Côte d'Ivoire. D'une façon ou d'une autre. Ouattara ne va pas partir sans assanglanter la Côte d'Ivoire. Ouattara ne va pas sortir sans tuer votre fils, votre fille. Ouattara ne partira pas sans brûler la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que nous, on soit prêts. C'est tout. Notre opération, je résume à ça. En 2020, il nous a tous pris par les sentiments pour dire qu'il ne sera pas candidat. Quand il a décidé d'être candidat, la date est déjà approche. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et la désobéissance a eu lieu. Et nous avons été présents avec comment on appelle, le Vatican. En 2025, Dieu merci, quand il marche, on voit à travers sa démarche qu'il veut brûler la Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu est fort et que les temps ont changé, nous avons fermé son puits avec l'AES. Donc il y a Ouattara, ses alliés de l'OTAN, la France-Afrique et les frontières qui peuvent lui donner asile. Oh, les frontières là. Au Ghana, il y a les Ivoiriens là-bas. Au Togo, il y a les Ivoiriens. Au Bénin, il y a les Ivoiriens. Peut-être c'est au Nigeria où on va rester. Ou bien en Guinée-Bissau ou au Sénégal. Mais en France ici, il y a les Ivoiriens. Mais comme ici c'est un pays de loi, ici on ne veut pas se faire griller, ce n'est pas grave. Mais hier, de la même manière, Ouattara, son cul était ouvert avec le Burkina, le Mali, la Guinée. Aujourd'hui, son cul est fermé. Même si je ne vois pas trop la Guinée parce que le gars là, bon bref. Donc, cette vidéo se résume juste à parler à nos mamans. Maman, nous avons besoin de vous. Oui, des mamans m'appellent, des mamans nous laissent des messages parce qu'elles veulent nous aider. Mais non, ça ne suffit pas. On veut des femmes, des jeunes femmes, des femmes adultes, des vieilles femmes, des mamans et les femmes qui vont prendre leurs responsabilités, qui peuvent même être des kamikazes s'il le faut. Parce que quand Ouattara va commencer sa guerre, il va tuer ton fils, il va tuer ta fille, quel que soit l'âge. Ouattara n'est pas prêt pour les élections. Ouattara va faire la guerre parce qu'il ne veut pas partir dans la honte. Donc aujourd'hui, là, chère maman de Côte d'Ivoire, vous voulez nous contacter, soyez organisés. Si vous êtes 5 femmes, 6 femmes, braves, des patriotes, écrivez-nous juste
sur cette page-là, il y a un numéro de téléphone. Ou laissez-nous un message dans les vidéos. Ou laissez-nous un message inbox. Nous avons les garçons, ils adhèrent. Et je leur dis merci. À Korogo, à Boaké, en Côte d'Ivoire, à Daloa, les gens nous appellent. Les gens nous appellent du Mali, de partout, des États-Unis. Les gens nous appellent et on vous dit merci. Manu, Maman Aouka, Marceline, on a besoin de vous. Organisez-vous. En Côte d'Ivoire, la société civile est gérée par Pichéry Balé, c'est une femme. Rien qu'on puisse gérer la société civile. Nous, nous nous démarquons de tout ce qui est politique. Nous nous démarquons de tout ce qui est clanique. Nous nous démarquons de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est religion. Nous nous démarquons de tout ça pour mener un combat patriotique. On veut des femmes. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour inviter toutes les femmes à nous contacter. Je sais qu'il y a les Gozigui. Organisez-vous. Les filles, si on est ensemble, on peut faire mouche. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Les Moaloutes, ce n'est pas des extraterrestres. Hein. Ils ont leur go, ils ont leur soeur, ils ont leur cousine, ils ont leur business, tout ça là. On va acheter l'information. On va aller à l'information. On va se préparer, on va se positionner. Notre guerre, ce n'est pas les armes. Attends, les gens qui ont pris des armes pour chasser un président légalement élu. Les gens qui ont pris des armes pour chasser des gens au pouvoir. Quel argent on va rassembler pour leur faire la guerre? Non. Mais soyez sûr que nous sommes très, très bien organisés et nous sommes déterminés. Alors, ce qui nous manque, c'est les femmes. Les femmes! C'est que quand femme met une perruque, ça ne connaît pas. On compte sur vous. Car le pays de vos enfants, le pays dont vous avez hérité, comme le dit l'hymne national, vous appelle. Je suis au Kossé Baba Nicolo et je compte sur vous. Tous les pays ont traversé cette période-là. En France, c'est les femmes qui sont battues. En Allemagne, les femmes se sont battues. Aux États-Unis, les femmes se sont battues. En Afrique du Sud, les femmes se sont battues. Partout, les femmes se sont battues. Mais en Côte d'Ivoire, on ne sent pas les femmes. Nous voulons les femmes. Donc, les femmes, j'ai dit que tout ce mois-là, je vais faire des vidéos pour expliquer ce que c'est que l'opération 6-9. À partir d'octobre, j'ai une réunion avec les camarades. Et après ça, nous allons commencer la phase de la tontine. Mais avant la phase de la tontine, nous souhaiterons avoir des équipes de femmes. Partout en Côte d'Ivoire, parce que quand Ouattara fait la guerre, il faut qu'il sache que le gardien qui est devant sa porte là peut être un game changer, un sans-visage. Quand le RDS sort là, il faut qu'eux-mêmes commencent à dire, ah, est-ce que la femme qui me regarde n'est pas dedans? Quand ils vont voir leur go là, est-ce que le petit qui me regarde n'est pas dedans? On va juste retourner la situation du commando invisible pour leur dire qu'on se bat avec l'intelligence comme David. Parce que Goulet va tomber. Que les anciens nous bénissent. Je suis Kossé Baba Nicolo. Et tu es au coué. Et tu es au coué. Adieu, Bratoli. Amado, dis à madame. Madame, quand tu veux des belles filles au pays, là, on va les mater. On va s'organiser jusqu'à juin. On va les mater. Dis à ma belle, là, qu'on va appeler l'ensemble. Que les anciens nous bénissent. Ciao, ciao. Eh, Gueye, c'est comment? Allez, je vous dédie cette chanson-là.